Majesté, votre prince. Il s'appellera Kakumbo. Il a son socle royal. Cela signifie qu'après votre mort, cet enfant sera bel et bien le futur roi. Jamais. Jamais. Je ne peux continuer à garder l'usurpateur de mon trône dans cette chevelure. Je dis bien jamais. Même si on emprunte une dizaine. Jamais. Jamais. Et tu es. Tu ne connais pas le sort qui t'attend. La mort. Pourquoi tu mets mon fils? Je te jure, tu ne me remets pas mon fils. Je vais quitter ce palais. Si jamais tu quittes cette chefferie, tu ne seras accepté nulle part. Et je bannirai ta famille de génération en génération. Très cher Bouto, tu feras mieux de remettre ce fils aux oubliettes. En t'écoutant, j'ai l'impression que tu en sais quelque chose. S'il te plaît, si tu en sais quelque chose, dis-le-moi. Dis-le-moi. Jamais ne mens. Je n'en sais rien concernant ce dernier. Maman, pourquoi tu pleures? Personne t'a dit. J'ai trop pété pour comprendre. Princesse Jenny, elle ne saurait retrouver la paix intérieure si à jamais elle ne retrouve pas. Ne serait-ce que la dépouille de son fils, qui était ton frère aîné. Si ta maman ne te dit rien, c'est moi qui dois le faire. Dis-moi quelque chose, je t'en prie, Maël. Je t'en prie, Maël, me laisse pas. Va-t'en d'ici! Maman, s'il te plaît. Vraiment, on dirait que le monde a changé. La préférée de papa s'en va à la rivière. Regarde comment elle marche. Vous vous adressez à qui comme ça? Est-ce anormal que moi je puisse aller chercher de l'eau? Sinon, sinon quoi? Fais-le ma soeur! Fais-le! Fais-le ma soeur! Fais-le! Fais-le! D'accord! Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? Qu'est-ce que je vois là? C'est la chevelure qui parle maintenant. C'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce que vous organisez après midi comme ça? Ça ne doit pas finir comme ça. Merde non.